Bon, ok, on a compris, t'es un peu vénère. Je suis pas un peu vénère! Je suis un peu vénère quand on me bouscule dans le métro. Je suis un peu vénère quand on marche sur le pied. Mais pas quand on fait avaler du GHB à mon petit frère. Mais c'était un accident, mon Victor. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Ils ont dit quoi alors, les médecins? C'est bizarre, on lui en a pas donné tant que... Il en a pas pris accidentellement tant que ça. Non, mais sa mémoire a pas vraiment endommagé. Juste une toute petite partie sans importance. Comment ça? Bah, il se souvient de tout. Sauf de vous deux. Ça s'appelle l'amnésie sélective. C'est une détérioration partielle de sa mémoire, ça concerne qu'une partie de ses souvenirs. Excuse-moi, hein, Dr House, mais ça me paraît un petit peu bidon comme excuse. Tu vois, je t'avais dit qu'on aurait dû les accompagner. Ah non, non, mais c'est pas parce que t'y connais rien que ça existe pas, hein. Mais rassurez-vous, c'est pas aussi grave que de l'hallucitonisme. Attends, donc tout ce qui a moins de 2 ans, il s'en souvient pas? Ah non, 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 si, non, il sait très bien où il en est dans son taf, il se souvient de sa famille, de ce qu'on se dit la semaine dernière, tout ça, non, non, c'est juste... vous. Est-ce qu'il y a un rapport avec vous? Je crois pas que ce soit des conneries, sur Wikipédia, ils disent que ça peut être lié à un gros choc émotionnel. Et je te rappelle qu'il avait déjà des champis dans le sang. Héloïse, qu'est-ce que mon mec Tupac fait chez ses dresseurs de pigeons? Mais comment t'as pu m'oublier, enculé? Oui, calme-toi, c'est pas de sa faute. 10 ans qu'on se connaît, enfoiré! J'ai nettoyé ton vomi à la soirée du bac! Bon, viens, Victor. Finalement, c'est un mal pour un bien. Allez, salut, Chloé et Romain. Quand on prie la bonne étoile... La meuf, elle cite Pinocchio, quoi. Je suis sûre qu'elle doit paniquer. Hashtag vierge en chaleur. C'est marrant, tu sais à qui tu me fais penser? Son ex, Julia. Je vais la troncher. Ok, les filles, on se calme. Ok, tu nous aimes pas, on t'aime pas, mais pour le bien de Victor, oublions le passé. Non, pas toi, Victor, toi, souviens-toi du passé. Ouais, mais donnez-moi un indice, vous êtes quoi? On est des collègues de boulot? Bon, ça suffit, maman, tu t'assois. On n'oublie pas aussi facilement que ça. Victor, on est, si je m'installe comme ça sur toi, qu'est-ce que tu veux? Bah, du malaise dans un premier temps. Et si mes cheveux étaient flores, comme ça, le visage, et que je te murmure à l'oreille, tu aimes ça? Bah, c'est même pas le problème, tu sens très bon, mais ça va pas être possible entre nous, Julia. Victor, c'est n'importe quoi, essaie de te souvenir d'un truc, une blague entre nous, n'importe quoi. Bah, disons que j'ai remarqué ça depuis tout à l'heure. Je sais pas si ça a rapport avec vous, hein, mais... Vas-y. Cette poignée là-bas. Oui? Bah, elle me fait penser à 2 prénoms. Amélie et JP. Oui, Amélie et JP, oui! Mais oui, mais bien sûr! Aïe, ça fait mal. Ouh, ça fait très mal. Ouh, ça fait très très mal. Tu es Amélie et tu es JP. C'est, ça me revient maintenant. Je vous ai tort, les gars! Non, Victor, là, tu vas comme un petit chien. Tu te souviens déjà d'Amélie et JP? Faut juste qu'on te réexplique 2-3 trucs, donne-nous 1 heure. Ah, c'est lui là-bas. Non. 1 heure avec eux, c'est déjà 1 heure de trop, Victor. C'est pas grave. C'est à cause d'eux que tu vois plus tes anciens amis, hein. Ils se foutent de ta gueule, ils te lavent le cerveau, là, ils te mettent du GHB dans ton verre. Désolé, les gars, c'est ma sœur. Quoi, tu vas l'empêcher de nous voir? Mais pourquoi il aurait encore envie de vous voir, en fait? Parce que votre petit groupe, là... À part se bourrer la gueule 3 fois par semaine et se foutre de la gueule des gens. Qu'est-ce que c'est? Je les vois vraiment 3 fois par semaine? 1 heure. Quand on prie la bonne étoile. Push your money where your mouth is. Small shit turn to ounces. Most dope where we coastless. So I tell them bring it on with the doses. I'm from the Minnesota state and I never need a chase. Cause they tell me I'm an ace and now it's me who lead the race. Went from way down in the basement to a crowd up in my face and I'm wasted.